dire que c'était horrible. On a une tradition forte dans Rimouski d'élus qui sont là, qui portent la voix de la région, puis je souhaite sincèrement être cette voix forte de notre région au sein de la coalition Mir-Québec. C'est tout un honneur. Je tiens quand même à souligner aussi le travail des autres candidats. Tout le monde a fait une belle campagne. Moi, j'ai voulu faire une campagne positive avec des messages locaux ancrés sur notre réalité. Ça fait des mois que j'ai été annoncée, mais puis depuis tous ces mois-là, plein de gens sont venus, ont rejoint mon équipe, on sentait une belle ébullition sur le terrain, puis c'est le fun de voir, c'est beau de voir que les citoyens ont embarqué dans ce mouvement, dans ce vent qui soufflait. Là, je regarde Rénal qui est là, mais Rénal, viens me rejoindre ici, là. Rénal de Lemonnier. Travaillé très, très, très fort. Merci tout le monde pour les heures que vous avez passées. Faire du pointage, à être là avec moi, porte à porte avec nous. C'est l'enfer. Incroyable. Hein? Mais merci Renaud particulièrement. Puis merci tout le monde qui a mis ces beaux efforts, ce temps, ce dévouement-là. C'est incroyable. Merci. Merci pour tout ça. Puis, je tiens à dire. J'ai une belle famille aussi qui est là avec moi, ma famille, mes amours qui sont avec moi. Hein? Puis là, je vais parler avec un texte parce que sinon ça risque d'être vraiment difficile puis on n'y arrivera jamais. Ah, avant, j'aimerais ça remercier Sam. T'es où, Sam? Sam! Moi, merci. Merci. On s'est vu plus souvent que ma famille dans les derniers mois, mais merci. Tu es une personne incroyable. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre ça. Donc là, je reviens avec ma famille. Hein? Ah, mais non! Ah oui, je vais vous laisser languir encore. J'aimerais remercier l'équipe, tout le monde de la CAQ aussi qui a joint, les membres de la CAQ qui sont là, qui sont venus aider, qui ont apporté toutes leurs fleurs politiques, leurs compétences, leur expérience dans cette campagne-ci. Puis je les remercie pour le temps que vous avez donné, le dévouement. Je vous serai toujours reconnaissant de ce que vous avez fait ici avec moi. Merci. Puis là, ben, je tombe à la famille, là, c'est vrai. Alors, cette famille que j'adore parce que la campagne et la politique, c'est une affaire de famille. J'ai mes enfants avec moi, mon chum, mes soeurs, mes parents. Merci, merci de m'avoir donné le goût de la politique, de l'implication sociale puis de la justice. Merci aussi du temps incroyable. Là, j'ajoute tous les bénévoles qui se sont impliqués à ça, mais pour installer, désinstaller des pancartes, nettoyer des pancartes, faire du porte-à-porte. Vous étiez là, tout le monde. Merci, mes amis aussi. Merci, Jonathan, d'avoir été là, d'avoir gardé le fort à la maison toutes ces soirées, journées. Ça a été des hauts, des bas, mais t'étais toujours là. Un chemin incroyable. Merci, merci. Puis Hector et Lily, hein? Hector et Lily, mes beaux amours. C'est une belle aventure qu'on commence, hein? Vous savez? On va la vivre ensemble, cette aventure-là. Ce qui m'a gardé debout plein de fois, c'est vos sourires. Quand on revient de campagne et qu'on a deux enfants à la maison qui se rappellent, qui disent « Ah, maman, j'ai pas fait mes devoirs, il faudrait que tu m'aides à faire ça », ça nous ramène tellement là, à la réalité. Puis ça nous ramène aussi à pourquoi on s'implique en politique. Je veux vivre ça avec eux, puis je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui, même s'il est tard, normalement, ils devraient être en train de faire dodo pour aller à l'école demain, hein? Là, 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 là. Ah, là, on le dira pas. Vous êtes dans le secret, tout le monde, hein? Mais, tu sais, avant les débats, chaque fois, ils étaient là, puis c'était à vous autres que je pensais, tu sais, chaque fois que je prenais la parole, puis que je me disais « Pourquoi je fais ça? » C'est pour tous les petits Hector et Lily du comté.
qui vont venir après. Fait que ça fait 5 mois que je suis en campagne, 5 mois que je suis sur le terrain, que je parle aux gens, que j'écoute les préoccupations, que j'arrime mes engagements avec ce que j'ai entendu, ce que vous m'avez partagé sur le terrain, Jean Rimouski, puis les 17 engagements que j'ai pris, je compte bien sûr les réaliser, puis les réaliser rapidement. Je vais faire une transition avec le député sortant. On a déjà discuté là, de certains dossiers, donc transition rapide. Transition rapide aussi pour mettre en place notamment un comité, un groupe d'action pardon, sur le logement, parce que tout passe par là. Tous nos engagements, les engagements qu'on a pris en développement économique, en environnement, en main-d'œuvre, tout passe par le logement. Donc, rapidement, c'est la première chose que je ferai. Et c'est la fin d'une campagne, mais le début d'un mandat de 4 ans. Yeah. Et je veux vous dire que je prends ce mandat-là avec humilité. Je veux représenter l'ensemble des citoyens et être la voix forte de la région de Rimouski-Nagette. Puis je vais travailler très fort pour qu'on avance, que Rimouski avance, puis faire avancer l'ensemble du Québec. Bravo! Merci! Bravo. Bravo.